Salut à tous, j'ai lu, j'en parle, Daredevil Legacy, c'est le run de Charles Soule et c'est sorti chez Panini Comics. On va faire un petit tour d'horizon de chaque tome, puis on finira par Daredevil, l'homme sans peur, qui fera le lien avec le prochain event. Alors, Daredevil Legacy, qu'est-ce que ça a dans le ventre? Eh bien, en fait, pas grand-chose, et j'ai été globalement déçu de ce run. Si le premier tome a la couverture assez sympathique, explorer une bonne relation entre Matt Murdock et Wilson Fisk, le Caïd, c'est déjà moins le cas sur le tome 2, qui a une couverture assez médiocre, et puis le contenu l'est tout autant, avec un combat sans queue ni tête contre la bête et la main. Et je finis par le tome 3, toujours par Soul et dessiné par Phil Noto, dont j'aimais bien les dessins au début sur Black Widow, et après a commencé un peu à me sortir par les oreilles. En plus, avec un titre un peu racoleur, la mort de Daredevil, ça sonne un peu comme la mort de Captain America, plus la mort de Captain Marvel, plus la mort de machin chose, ça fait un peu redite. Et je pense que le contenu avait pas besoin de ça. Et en fait, pour finir, Daredevil, l'homme sans peur, qui va être le lien avec le prochain event à venir en France, je crois que c'est au mois de mai 2020, qui sera de lui de Zdarsky et Hutch. C'est dans ce tome où il se passe le moins de choses qui est en fait le plus intéressant. Les auteurs insistent sur le personnage de Matt Murdock et évidemment sur le personnage de Daredevil, mais c'est d'abord sur celui-là, sur Matt Murdock, qu'on insiste. Et en fin de compte, voilà, c'est là où il se passe le plus de choses, mais c'est là où psychologiquement, c'est là où il y a le plus d'informations, le plus de contenu, et pour moi, ça a été en fait le plus agréable à lire. Voilà, c'est tout pour moi pour ce Daredevil Legacy de Charles Soule qui, en conclusion, donc c'est pas révélé vraiment extraordinaire et un petit tour d'horizon de l'homme sans peur qui lui est nettement plus intéressant et j'espère que le prochain arc narratif de Zdarsky sera tout aussi intéressant. À bientôt, ciao.